Vous allez bien, monsieur? Ah, attendez. Ouais, allô? Ouais, je vous entends pas, hein. C'est un autre taxi, je pense, qui vous appelle. Ouais, sûrement. Ça va bien, vous, monsieur? Oh, la fin. Ça va, le taxi, c'est pas trop compliqué. Vous parlez à qui, à moi? Ouais, à vous, là, j'ai raccroché. Ah, bah, ça va très bien, écoutez. Ça va, elle a pris un petit coup, votre voiture, hein? Oui, c'est rien. Non, mais je rigole parce que j'ai... Vous avez pas entendu un bruit de raptor? Un bruit de raptor? Ouais, un bruit, vous savez, les raptors, les petits dinosaures, là. Ouais, je vois tout à fait, ouais. Ouais, mais j'ai entendu un bruit de raptor qui venait du camp, va falloir que je surveille ça. Ouais, je sais pas, c'est peut-être mon ventre. Bon, ah, d'accord, putain. Ouais, excusez-moi, j'ai mangé mexicain hier. Tenez, monsieur, 35$, ça vous va? Ouais, c'est super. Voilà, c'est payé. Merci, monsieur. Bon, allez, bon courage à vous, hein. Au revoir. Gros, j'ai fait un potage, frère, au fond de ma gorge. J'étais déjà au commissariat. Vous avez déjà joué à chat? Oui. C'est vrai? Oui. Bon, bah, je dis rien alors. Non, je rigole, c'est vous le chat. Oh. Allez, monte. Eh, appelle le comico, dit qu'il se batte devant, truc. Oui, je les appelle maintenant. Vas-y. Tu vois, c'est comme ça qu'on fout la merde quelque part. Par contre, elle avait un bonnet sous sa casquette, hein, c'est quand même cocasse. Non, c'était ses cheveux. Ah, pardon. Ok, d'accord. Allô, monsieur l'agent de police? Oui, je vous appelle car on a constaté avec mon ami deux agents qui se frappent en face de votre commissariat. Achat? Comment ça, chat? Non, on jouait pas à chat. Et il se frappe. J'ai entendu fils de pute, je vais te fumer, rends-moi la drogue. D'accord, ok, bah je souhaite aider la police, moi. Hein. C'est surtout pour ça. Voilà, bonne journée, de rien, au revoir. Alors? Je sais pas, ils ont dit que tout se passe bien, qu'ils jouent à chat. D'accord, bon, bah ça va s'ils jouent à chat. Vous pouvez descendre, monsieur Vito, je vous ai déposé là où vous le souhaitiez. Merci beaucoup. Dites-moi, monsieur. Bon, monsieur McGarrigan, venez voir, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Les vitres de votre véhicule. Eh ben quoi? Non, ils vont bien, moi je les vois bien. Ah, vous les voyez bien, vous êtes sûr? Ah, tout le monde les voit bien. Oh, vous êtes sûr? Il avait chaud, Il avait une aération, quoi. Arrêtez-le. Je sais pas si niveau pollution, c'est pas très. Bonsoir. Levez la main, là, j'en qui parle. Très bien. Levez la plaque. Venez avec moi, s'il vous plaît, venez avec moi. Faut que je vous parle, monsieur McGarrigan aussi. Tout est prêt, toi? C'est. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dépend. Non, juste faites attention à avoir un véhicule. Comment t'as dit, monsieur? Ah, mais vous avez dit ça. Et monsieur, vous vouliez me dire quoi? Ouais, venez voir. Ce sont que des cadets. D'accord. Oui. Et le jeu du chat qui vient de se dérouler là, vous pouvez en rigoler, mais peut-être pas avec tout le monde. Parce que j'ai des cadets qui ont un peu le sang chaud et l'humour pas très. D'accord. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont bien raison. J'attends qu'ils sortent justement leur petit joujou, mais bon. Oui, enfin, après, bon, moi j'ai rien fait, monsieur, hein, monsieur le lieutenant. Hein, j'ai pas envie de vous chercher en bas parce que vous avez joué à chat. Je pense qu'avec le commandant, vous pouvez peut-être en rigoler. On peut pas. Mais attendez, cadets, monsieur, bon. Monsieur, entre nous, est-ce que vous m'avez vu jouer à chat? Moi, seul truc que j'ai vu, et j'en ai un témoin ici même, c'est que deux agents se sont frappés. Ah oui, devant, juste devant. Ouais. Bon, moi j'ai supposé parce que je vous ai vu partir, j'ai vu. On a eu peur, on a eu peur. Attendez, je vois deux agents se frapper. Vous croyez quoi, monsieur? Vous croyez qu'on va rester là? Ils ont des armes en main, monsieur. Le commandant m'a informé du jeu du chat. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un jeu inventé par monsieur McGallaghan, apparemment. Mais qu'est-ce que c'est que n'importe quoi, j'y jouais quand j'étais petit à ça. Et McGallaghan n'était pas né. C'est lui qui m'avait raconté ça. Non, mais c'est comme si je faisais ça et que je vous disais chat. Ah oui! Bah, moi je vous la rends du coup. Et là, c'est comme si je vous disais, c'est vous le chat encore, vous voyez? Allez, monte! Allez, ça dégage! Voilà, allez, bon, par contre, deux pêches. Et non, pas deux de suite. Mais il s'est pris deux belles pêches, là, ça me fait plaisir. Bon, je t'emmène où? Je sais même pas ce que je dois faire. Tu peux me déposer chez moi ou pas? Vas-y, mets sur le GPS, s'il te plaît. J'espère qu'on va pas partir en course-poursuite, par contre. Allez, je t'emmène chez toi. Oh putain. Oh là. Oula, doucement, je pense que t'as entendu une sirène. Ouais, moi aussi, je crois qu'ils sont partis un petit peu à notre recherche. Il y a une voiture qui nous suit derrière. C'est qui, lui? Tu le connais? Eh, vous voulez quoi, vous? Moi, je veux juste passer, c'est tout. Vous voulez juste passer, vous êtes sûr? Eh, vous oui, foutez pas de ma gueule! Sors de la voiture! Tu sors, vite! Monte avec nous! Monte à l'arrière! Dépêche-toi! Je veux pas t'entendre moufter tant qu'on est pas sur place. Ouais, monsieur. Macron, c'est vous que je viens de voir promener dans une voiture jaune, là? Il est au téléphone, tout au tête. Il se passe quoi avec, là? Bon, vous, on va vous poser deux, trois petites questions, là. On va avoir une petite discussion, monsieur. Ça vous dérange pas si je vous fais visiter? Évidemment, on prend votre téléphone portable. On prend tout. Tu peux tout lui prendre, s'il te plaît? Oui. Donne-moi ta radio et ton téléphone portable. Tenez, j'ai qu'un téléphone. Voilà. D'accord. Vous pouvez joindre personne à partir de maintenant. On a votre radio, on a tout ce qu'il vous faut. Vous avez aucun moyen de contacter personne. C'est quoi ton accent? Moi?
Oui, je suis un. T'habites où, putain? Moi, j'habite où? Mais pas toi, ça, non, 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 pas toi, pas toi. T'habites où, vite. Bien. Attends, j'ai mis le point. Fais marche arrière. Ah, putain. Voilà, c'est juste tout droit, maintenant. Derrière toi, demi-tour et tout droit. Voilà, voilà. Tu vas juste tout droit et ça sera sur la droite. La droite? Voilà, top. C'est ici. Monsieur, on va vous emmener visiter une belle maison. Je crois que vous et moi, on a un petit souci, apparemment. Ah bon? Ouais. Allez, descendez. Allez, descendez de la voiture. Tout me suit. Allez, suis-le. Pas de geste que Bruce, t'as compris qu'on était armés, ok? Oui. J'ai envoyé un petit message. Je vais vous demander avant toute chose, monsieur, votre carte d'identité. Oui. Attendez, je cherche mon portefeuille. Allez, vite, tu me dis tout sur lui. Voilà. Jack Cooper. Jack Cooper. Vous travaillez où, monsieur Cooper? Je suis raffineur. Ah ouais? Ah, vous êtes raffineur en plus. Et pourquoi vous nous suiviez? Je vous suivais pas, j'étais à l'hôpital. Vous étiez à l'hôpital? J'allais à le concessionnaire. Ouais, c'est quoi ce sourire quand vous nous parlez? Ouais, je sens un petit sourire. Qui vous a embauché à la raffinerie? C'est Gino. Non, j'ai pas dit Don, j'ai dit Gino. Gino. Il vous a embauché quand à la raffinerie? Il y a une semaine, ouais, 4-5 jours, une semaine, ouais. J'avais comme le sentiment que tu nous suivais, hein. Tu accélérais quand on accélérait, tu tournais quand on tournait. C'est normal, j'étais à l'hôpital. C'est après, normal. Il faut tourner pour aller. C'est normal de suivre les premiers que tu vois, alors? Mais non, mais je savais pas où vous étiez. Ça te fait rire? Ouais, je crois que non. T'as envie de retourner à l'hôpital ou pas? Non. Bah laisse-moi dire que je pense que t'as de grandes chances d'y retourner là ce soir. Écoute, tu nous as un petit peu dérangé ce soir, on va pas te faire de mal, mais on va demander une petite compensation, $500 chacun. $500? Déjà je suis à moins 7000. Eh ben tu seras à moins 8000. Tu seras à moins 8000. Je peux pas vous donner d'argent. T'as quoi sur toi? Sur moi j'ai rien. T'as rien, t'es sûr? Oui. Tu veux qu'on te fouille ou pas? On va te fouiller. Je crois que t'as pas l'air de saisir la situation, hein. J'ai 200 d'argent, mais... Ah bah tout d'un coup... Attendez. J'aime pas ton petit sourire là, au coin des lèvres. J'aime vraiment pas, tu vois. Et là je te jure que je suis à deux doigts de te faire quitter du mal. Et regarde, y'a mes hommes qui arrivent en plus. Tchè, buona sera. Buona sera. Joyeux anniversaire, Don. Ouais, merci, on en reparle plus tard. Mais si ça vous gêne pas... Donc explique-moi un truc. Tu me dis que tu as rien et, bah si, et mais... après tu me dis que tu as. Donc tu as. Oui, mais tu c'est en train pas, c'est attends, pas j'ai pas fini. Pourquoi tu me coupes la parole là? Donc tu es en train de m'avouer que tu nous as menti à moi et Monsieur McGallaghan. Non, bah menti c'est. Oui, j'ai rien menti. De légal, je veux dire. De légal. En gros, j'ai de l'argent, mais elle est pas propre. Et bah, très bien. Que l'argent non propre. 200. C'est un gars, Yam l'a donné parce qu'il m'a demandé attends, des qui se mettent. Parce que là, j'aime pas ça, j'ai l'impression que tu te fous de notre gueule. Okay, t'as pas tu un putain de dollar en argent propre sur toi? Viens, ah, viens, j'ai 50. Ah ouais, comment tu te nourris? Comment tu bois dans cette putain de ville? Venez, tu me suis. On va aller près de la piscine, c'est non, là où je crois que toi et moi, on n'est pas partis sur une bonne longueur d'onde. Non, mais j'aime bien tirer sur la piscine parce que le sang dans la maison, j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais évite de colorer comme la dernière fois en rouge la piscine. Oui, oui, oui. Moi, je vais vite changer. Donc, vas-y, je t'écoute. Qui t'a donné cet argent? C'est un gars hier soir. C'est que son nom. Ne me dis pas un gars. Son nom, je sais. Bah, donnez-moi son téléphone et je peux regarder. Donnez-moi son téléphone. Mon téléphone. Je te donne ton téléphone. Tu envoies un message. Je te tue. Je surveille ce que tu fais. Tiens. D'accord, merci. Donc, ce mec que tu connais pas son nom, mais il te donne $200 d'argent sale. Tu te fous de la gueule du monde là? On présente pour radio. Il m'a dit de l'appeler Kama. Ils étaient deux. De quoi? Tu me rends ton téléphone. Je demandais si on me recevait. Si on quoi? On me recevait. Oui, oui, oui. Là je suis. Ok. On a un problème, il y a quelqu'un qui nous suivait, on l'a embarqué. Je suis chez Vito là. On s'occupe de lui. C'est où? C'est dans une maison. Il m'a emmené dans un coin et ils m'ont demandé si j'avais des infos sur des dents, Gino, là. Comme ça ou des. Je suis tombé sur Gino. Qui était déguisé en épouvantail. Il a essayé de me braquer pour me faire une blague. Ouais. Et ben au final j'ai gagné $50. Une chose. Bien joué, attends. Un gang vert. Oui, un gang, ils sont habillés en vert et c'est des noirs. D'accord. Ils sont habillés en vert et c'est des noirs. Oui. S'ils sont verts, ils sont pas noirs. Non, mais ils sont habillés, j'ai dit. Tu commences à me casser les couilles. D'accord, j'ai pas passé par quatre chemins. Comment tu fais pour te nourrir? Comment tu fais pour boire de l'eau et tout? Comment tu fais pour survivre dans cette ville, ça, en étant négatif? Bah, je travaille. Tu travailles? Tu travailles étant négatif, alors? Et pas sur mon compte, oui. Mais pas en... J'ai quelques dollars, si vous... Mais c'est bizarre, mais toutes les deux minutes ça change. Mais non, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais $200 d'argent sale et 50 de propre. Tu sais ce qu'on va faire, Vito? Vas-y, dis-moi. T'as un homme demain là qui a une arme blanche ou autre là? Ah si, bien sûr. Qui est-ce qui est armé là? J'ai rien fait, Flavio. Il a une arme blanche. Je crois qu'il y a un truc que vous avez pas compris entre vous et moi. Je n'ai que mon pistolet. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez que vous êtes sur une propriété privée ici là. Personne vous y a invité. C'est vous qui m'avez amené. Non, moi j'en ai pas le souvenir. Moi je vous ai moi trouvé non plus. Ici. Quelqu'un a le souvenir qu'il est venu avec moi, ce monsieur? Quelqu'un l'a vu arriver ou pas, ce monsieur là? Flavio, casse le carreau de la porte. Casse le carreau de la porte là. Ah, et en plus, vous avez utilisé une arme à feu? Une arme à feu? Dans ma propriété, monsieur. C'est pas bon ça. J'ai droit de me défendre, vous le savez. C'est pas bon du tout ça.
On est d'accord, hein? Oui. Vous voulez perdre votre emploi, monsieur Cooper? Non. Vous allez garder votre emploi. Écoutez-moi bien. Si on revoit votre petite frimousse n'importe où, n'importe quand, si vous portez plainte, quoi que ce soit, ça va se retourner sur vous. Ah non, on m'a déjà balancé, donc ça a rien que je balance. Si... Ah, on vous a balancé? Ah, ouais, j'ai 7 000 $ d'amende. Ah ouais, on vous a balancé sur quoi? Qui vous a balancé? C'est un bûcheron parce que j'avais le point d'arme. Comment ça, tu avais le point d'arme? Quel point d'arme? Quel point d'arme? Expliquez-nous, continuez s'il vous plaît. Vas-y, baisse les bras. Je voulais lui vendre. Tu vas peut-être t'en sortir là. Je voulais lui vendre pour me faire un peu d'argent. Oui. Ouais. Et je lui ai envoyé des messages, tout. Et je lui ai envoyé une photo des tarifs. Oui. Ouais. Et après, il a été voir la police et il m'a balancé. Ok, le nom de cet homme? Son nom, je peux regarder sur le téléphone? Bah décidément. Oui, je veux le nom pas de cet homme, on va aller lui parler avec monsieur McGallaghan, je pense. Et d'ailleurs, vous allez nous parler un peu plus de ce point-là, je oui, pense. Oui, 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 oui. Ça vous évitera sûrement un aller-retour à l'hôpital. Ah oui, je pense que le, là... Attendez, je peux continuer? Attendez, on vous continue si on décide que vous continuez. Je crois que vous avez pas compris la situation, en fait, hein. Oui, il est gentil. Ouais, eh, gars, j'ai quand même envie de te mettre des patates, tu vois. Gino, oui. Gino, comme une racaille. Viens faire la bise, Gino. Oui. Fais un bisou. Moi. C'est qui, lui? Ben, justement, lui. Non, mais attends, je parle de lui, là. Ce monsieur était en train de nous suivre. Il dit que non, avec monsieur McGallaghan, on l'a arrêté, on l'a ramené à la maison. Et il s'avère qu'on a demandé si à ce monsieur il avait de l'argent. Il nous a dit qu'il avait du sale, pas beaucoup, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on lui fait monter la pression, hein, parce que ce monsieur il comprend qu'il est sur une propriété privée et il a cassé un carreau avec une arme à feu, avec une arme à feu, avec une arme à feu. Oui. Ah, on est tous en droit de légitime défense parce qu'on a tous peur ici, bien évidemment. Bien sûr, c'est l'Amérique, hein, légitime mais défense en prio, hein. Voilà. Et mais va falloir faire quelque chose pour le pantalon, par contre. Hein. Oui, oui. Mais ce monsieur est en train de nous expliquer qu'il connaît certaines choses qui peuvent nous intéresser. Donc on continue. Oui, ça m'intéresse. Donc qui c'est qui t'a balancé? C'est un bûcheron. Son nom. Nom, prénom, son allez. Nom. Je peux regarder sur le téléphone? Tiens, je te le rends, pareil. Merci. Je te surveille, pas de bêtises. C'est le patron, je crois. Si le patron? Oui. Le patron? Oui. D'accord. Monsieur McGallaghan, je vais vous dire un truc au sujet de ce patron après. D'accord. Il y a le... T'as quel point d'arme? Je suis dans la ville. C'est lequel dans la ville? L'arme léger, arme lourde? C'est arme... lourd. Et il y a le gang vert. Ils l'ont aussi. Non, mais ça, je m'en branle. Ah, on s'en fout. On s'en... Des verts? Qu'est-ce tu que vois, c'est écoute, ça? Les martiens? Écoute-moi bien. Je vais te donner une carte, là. Tipo, on en a rien à foutre, nous. Je vais te donner une carte et tu vas très vite me dire où il est. Oh, je pense et fais un petit saut, par contre. Monsieur McGallaghan. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui était parti d'un chat me plaît beaucoup. Monsieur, attendez, on va faire quelque chose de simple. Vous pouvez évidemment ne pas donner le point, attention, hein. Encore une fois, on vous le demande gentiment. Est-ce que vous voulez donner ce point-là? Et on vous laissera sûrement sortir avec vos deux jambes et vos deux bras. C'est une proposition. C'est une proposition. Attendez, moi j'ai une autre proposition. Est-ce que vous connaissez plus de choses encore? Plus de choses? Oui. Sur qui est... Bah sur... Oui, parce que tu m'as l'air d'être un malin discret, en fait. Tu as l'air d'être un type qu'on ne remarque pas beaucoup, mais qui a l'air de savoir beaucoup de choses. Ouais, beaucoup, moyennement. Bah, tu connais quand même quelque chose d'intéressant. Écoute-moi bien. On va faire un truc, toi et moi, d'accord? Et d'accord. Après, je te laisse avec les Italiens. S'ils veulent te proposer leur contrat, tu les écouteras attentivement, d'accord? D'accord. Ouais. Écoute-moi bien. Moi, ce que je vais te proposer, tu nous envoies par email. D'accord, tu ne nous le montres pas là, parce que dans ma tête, on est plusieurs, on sait jamais. Oui, tu oui, nous oui, envoies pareil. Par email ce que tu sais sur ce point-là, exactement où il est. Les coordonnées exactes. Les coordonnées d'accord. exactes ainsi que le prix. Tu nous envoies d'accord. ça tout de suite par email. Tu t'en sors okay. vivant, ils proposent leur contrat, si tu sais plus de choses. D'accord. Je fais ça maintenant ou je peux... Maintenant, par contre, j'ai pas ton temps. D'accord. Oui, maintenant. C'est Johnson McGallaghan. Mais reviens par ici. Tu as pas besoin de partir, hein. C'est tu restes Johnson là. Dans les buissons, c'est attends. Johnson McGallaghan @discord.gg. Allez, fais un tu l'envoies aussi à Vito et à Gino. Voilà. D'accord. On te redonne ton téléphone, tiens, hop. Voilà. Et on te laisse même l'argent que t'as sur toi, tu te rends compte? Et en plus, tu partiras sans un deuxième trou de balle, c'est quand même incroyable. Par contre, attention, oui. cette discussion n'a jamais eu lieu. Évidemment. Que les choses soient claires. Oui, c'est clair. Je te préviens et je te le dis qu'une fois. Voici c'est mon quoi, contrat. Si j'apprends que tu as parlé de cette discussion, que tu as donné un point à Vito, à Gino et à monsieur McGallaghan, d'une façon ou d'une autre, je te retrouve et je te tue. Est-ce que c'est clair? Oui. Quand je te dis je te tue, c'est je te tue. Je d'accord. t'enterre et je te fais manger par un poisson. Et je te fais violer par Giuseppe. Jack Cooper. Je vous ai envoyé les prix. Mais les prix, c'est... Les coordonnées. Et les coordonnées, faut que je me rende sur place. Mais non, pas du tout. Arrête de bégayer, bordel. Toi, une carte, tu mets un peu... Ah, c'est bon, j'ai... Oh, mamma mia. J'ai retrouvé. C'est le vendeur d'armes lourdes, tu es sûr? Oui.
Oui, il est vers vous. Je vous l'envoie à vous, monsieur McGallaghan. Et la voiture dans laquelle on t'a trouvé, elle était volée ou pas? Volée? Ouais. Je l'ai empruntée à l'hôpital. Ok, oui, tu l'as donc volé. Tu l'as volé. On ne balance pas pour ça aussi. On t'as beaucoup de chance ce soir, parce que t'allais faire un aller-retour à l'hôpital et on allait te balancer pour beaucoup de choses. Et dorénavant, tu suis plus personne et ses coordonnées sortiront plus jamais de ta tête, c'est bien compris ou pas? Oui. Si on apprend que ses coordonnées sortent, on le saura et on te retrouvera. Dis donc, tu travailles pas chez moi, toi, par hasard? Si, je suis chien pour radio, j'ai réussi à trouver un indice dans la LSPD. Monsieur McGallaghan est un honnête citoyen. C'est le numéro 24. Le point, c'est pour éviter les points chauds et avoir des problèmes. Mais dites-le à personne. J'aime juste pas trop conçu, si vous voyez. Son nom et prénom. Oui, oui, non, mais je vous sais pas du tout. Attends, bouge pas. Non, on l'espère. Sincèrement, on l'espère. En tout cas, c'est tu as d'autres Emmanuel choses à Barreau. Ou pas? On a eu assez d'informations comme ça. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi un. Non, c'est bon. Ben. Ouais, ça va aller. Tu vas pas tout balancer dès que quelqu'un. Je vais faire un tour d'hôpital. Oui, c'est possible que je sois indisponible pour un petit moment. Donc, faisons pas trop. Tu comprends? Oui. Et d'ailleurs, si jamais tu te refais choper par n'importe qui et que tu ouvres ta gueule comme tu l'as fait avec nous, bon, bah, tu sais ce qui t'arrive. Tu meurs. Voilà. Bon, je leur dépose à sa voiture, messieurs, ça roule. Oui, après, faut que je vous parle, monsieur McGallaghan. Ouais, on se recontacte après, suivez-moi, monsieur. Bon, va falloir arrêter de suivre les voitures comme ça, par contre. J'ai pas suivi vous particulièrement. Ah ouais, vous suiviez qui, alors? Bah, je suivais personne, j'allais aller au magasin de véhicules. Eh bah, vous avez vraiment pas de bol. Non, mais c'est vrai, en plus. Vous avez vraiment pas de bol. Et la prochaine fois, sois plus solide, hein, sur tes appuis, hein. Et suis pas d'accord. Les gens. Ou en tout cas, sois plus discret. Oui, alors, monsieur Vito. Mais vous êtes pas revenu. Mais parce que c'est normal, je l'ai pas déposé. Voilà, vous pouvez descendre, monsieur. Merci. Okay. Bonne soirée. Il nous a pas donné le lourd, il nous a donné le léger, on le connaissait déjà. Bah c'est trop tard, c'est pas grave, au moins on l'a. Oui, oui, non mais... On a la confirmation. Oui. Vous voulez que je revienne, là? Oui, revenez. Envoyez-moi les coordonnées, s'il vous plaît. Je vous les envoie. J'aurais dû lui faire une facture. Et s'il a payé, je lui en mettais une. Ouais, ici radio, j'ai récupéré... vous m'entendez? Ouais, discuss. J'ai récupéré un truc intéressant, le point vendeur léger. Même si on l'avait déjà, au moins on a une confirmation. Vous avez vu quoi tout à l'heure pendant que j'étais avec la personne là? Comment le fou chien a réussi à avoir un indice chez les flics? Ah bon ça. Bon. Ok, très bien. Je retourne voir Vito. Et pour Gino, c'était quoi déjà la petite blague là? Ah oui, c'est qu'il a... Il a essayé de me braquer pour rigoler, mais finalement c'est moi qui ai gagné 50$. Ouais, bien joué. Bon, vas-y, je retourne un petit peu avec eux, je vais voir s'ils m'en parlent. Ah, ok. Là, je t'engendrerai après. Ça roule. Voilà. Ah, monsieur McGallaghan. Moi, je voulais te parler un peu de ce... comment il s'appelle? Igor. Tu le connais un peu ou pas? Attendez, il y a le lieutenant qui me met un coup de pression par SMS. Ah bon? Pourquoi? Ouais, j'ai dit que je le connaissais pas. Ouais, pour les deux patates que je lui ai mis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, il veut que je lui rembourse les frais d'hôpitaux. Mais il ne s'est rien passé, enfin. Bah oui, je lui ai dit je le connais pas. Et bah oui, je ne comprends pas. Donc je tu disais. Oui, je disais la chose suivante. Est-ce que tu connais un petit peu ce Igor, le patron des raffineurs? Bûcherons. Des bûcherons, pardon. Oui, parce bûcherons. Que le raffineur, oui. Mais d'accord, ok, ouais. Non, des je bûcherons. Connais pas du tout, non. Ok, je te fais un petit topo sur lui. Bon. Je lui ai proposé un petit contrat de sécurité, tu connais l'histoire. Ouais, bien sûr. Et ce monsieur... Monsieur l'a décliné, bon, bah ça c'est mon problème, je m'en occuperai bientôt. Mais il m'a proposé autre chose. Il me dit, mais à la place, monsieur Vito, je pourrais vous payer très cher pour un tueur à gages. Il m'a dit ça clairement, tu vois. Je lui ai dit, mais pour qui vous me prenez? Ça ne va pas, vous êtes totalement fou, etc., etc. Donc ce monsieur recherche déjà un tueur à gages. Hein. Et en plus, d'après ce qu'a dit le monsieur qui était avec nous, le Cooper, là, ce monsieur-là serait intéressé par des points d'armes et il appellerait la police. En plus, hein, vu qu'il l'a trahi. Et il faut savoir qu'il avait proposé à Gino... c'était quoi le trafic avec les armes, là, Gino? Lui, c'est simple, il connaît aucun point. Du coup, je lui ai dit que je pourrais lui procurer des armes. Évidemment que je prendrais un petit pourcentage dessus. Voilà. Mais bon, c'est annulé parce que cet enculé, on va le fumer. J'ai eu une idée. Je pense bien l'enculé, par contre. Je pense que je vais accepter de lui vendre une arme. Il va me donner l'argent en avance. Oh, c'est malin. Oui, et l'enculé Gino, par derrière. Vous n'avez pas 50$ sur vous? Alors, oui, c'est possible. Ouais. J'ai déjà filé 50$ à mot, putain, mais qu'est-ce que vous avez tous? Ouais, bah non, apparemment que t'as bien baisé, c'est tout. Parce que... Bah raconte à monsieur Vito ce que t'as voulu faire. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ça te dit rien? Non. De quoi vous parlez, là? Une blague qui a mal tourné. Je...
Mais oui. Ah oui, mais oui, je lui ai fait une petite blague. Il est tout de suite allé se coucher derrière... Enfin, sous le bureau, putain, il m'a fait rire. Oui, parce que j'étais encore déguisé en mon épouvantail. Et ça lui a fait peur. Bon, on parle business, là. On parle pas... Oui. On parle pas de la... En tout cas, il s'est bien chié dessus, hein. De Pâques de Noël, là. Donc, dites-moi, alors. Voilà, oui. Ce petit Igor, là. Nous, on va s'en occuper. Est-ce que vous êtes en affaire avec lui? Non, ça me dit rien du tout. Ok, donc c'est bon. On a un peu carte blanche pour s'occuper de ce monsieur et de son business. Vous allez vous en occuper dans quel sens? Lui mettre un coup de pression? Oui, en fait, non, pas directement. Son business, on va le pourrir. Parce qu'il a refusé mon contrat de sécurité. Et donc, je vais lui faire comprendre qu'il a besoin de sécurité. Une fois qu'on va commencer à tirer sur les pneus de ses véhicules et tout, on va retourner le voir. On va lui dire, bon, est-ce que vous avez toujours besoin de nous? On a cru entendre qu'il y avait des problèmes. Et en plus de ça, on va organiser un faux échange d'armes. On va lui prendre son argent et basta. Ça, c'est pour le manque de respect. Mais on lui fera croire que c'est pas nous. Tu vois, on va lui dire, Gino, on connaît des mecs qui peuvent, on te met en contact avec eux, on achète un nouveau téléphone, tout connaît l'histoire, il les contacte, on prend une autre voix ou un autre homme. Non, ça passera pas, ça. Ça passera pas. Il est déjà très méfiant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, c'est un russe, Igor, là? Oui. Mais vous les aimez bien, vous, d'ailleurs. Les Russes, je les baise. Ah oui. Bon, bah, tu veux nous aider à les baiser? Je suis devant la porte. On est derrière, rentre. Ah, ok. Derrière, en plus, oh là là. J'aime pas les étrangers dans ma propriété. Qui arrive sans ma condition? C'est bon. Dommage que je suis pas en épouvantail. Bah, arrête avec ça. Bonjour, fais-moi un bisou. Oh, bonjour, moi. Monsieur Moore. C'est mon anniversaire. Vous avez changé de couche? Ah, je veux l'anniversaire. Voilà, toi, tu n'as pas un petit billet pour moi? C'est pas mon anniversaire, tu comprends? Allez, tiens. Ah, gâté. Bah, c'est mon argent, connard, en même temps. Oui, toi, ta gueule, hein. Gâté, mille. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde là? Joanne, vas-y. Ok, jeune juive. Putain de merde, hein. Attends, non, j'ai pas les voir. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que... Ah, je te le dis, la police... Juste une voiture de flic. Elle ne vient pas sans mandat, elle c'est ne rentre qui, pas. Patrouille de la LSPD qui est en train de tourner autour. Oui, bah qui tourne. Bah qui tourne. Oui, je les vois. Ils ne rentrent pas. On va les faire tourner. Ils sont garés devant. Messieurs, venez à l'arrière, qui vous voit pas ici. Ouais. J'espère que c'est pas l'autre qui a balancé. Hein. Bah, c'est simple, si l'autre il a balancé, je te jure, j'ai le tour. Attends, mais ils font quoi autour là? Ça me rappelle notre ancienne réunion. Attendez, parce que je me demande s'ils peuvent pas entendre. Non. Avec tout le bruit de la circulation, plus ouais. Les buissons, plus le vent. C'est pas des Superman non plus! Ouais, bah espérons-le, hein. Et si vous avez peur, on peut aller chez moi, comme ça, moi, on est sûr. Mais qui t'a dit que j'ai peur? Je suis chez moi, pourquoi j'aurais peur? Eh, hey, dites-moi, et sans donne quoi? Ils sont où? Est-ce qu'il y a ils un de vous qui s'est battu devant la maison? Hein? Non, c'est hein? Pas ces conneries, personne. Je sais pas, parce qu'apparemment, ils nous ont dit que quelqu'un s'était battu devant la maison. Non, c'est un prank, ça. C'est okay, pour nous faire sortir. Dites-leur s'ils ont rien à faire ici. Non, ils sont déjà partis. Ils sont partis. Et alors? Pourquoi? Ah, patron, c'est moi de danger là. J'ai l'ami qui est à l'hôpital, je peux prendre une petite heure pour la passer la voir? Ouais, pas de soucis. Parfait, merci. Ah, très bien, messieurs. On va vous laisser alors. On a ce qu'il faut, tenez-nous au courant pour Igor. Oui. Et on a les confirmations d'un nouveau point. Oui, ben. Par contre, c'est le léger, c'est pas le lourd, hein, je confirme. Bon, ben, bonne journée, messieurs. On se tient au courant s'il se passe quoi que ce soit. Bonne journée. N'oubliez pas, s'il y a une fête qui se fait ce soir, j'espère que vous êtes disponible. Ça roule. Bon allez, bah, je vais faire un tour au Comico, je rentre au service et j'y vais. Allez, bien, tout à l'heure. Bonjour, ça va? Ça va très bien, et vous, monsieur McGallaghan, je crois. McGallaghan, c'est ça. Et vous, vous êtes monsieur? Ok, moi je suis 47. 47, d'accord. 47 Magnum. 47 tout court, ça ira. D'accord, comme le calibre. Comme le calibre, ouais. Bah, ça se passe bien pour vous ce soir? Ah, ça se passe très bien. Eh bah, tant mieux. Bah, ça se passe plutôt pas trop mal. Le lieutenant, il est là ou pas? Il est en patrouille actuellement. D'accord, bon bah, je vous dérange pas plus alors. Passez une bonne journée. Hein. Merci à vous aussi. Ouais, je disais, je vais pas tarder à rentrer, je vais rentrer à l'hôtel là. Ah, ok. Bah, je finis de donner des instructions et puis je te rejoins. Ok, t'as réservé nos deux villas? J'attends sa réponse. Ok, ça marche. Oui, mais t'as envoyé le mail quoi. Oui, j'avais contacté, ouais. Très bien. Allez, à plus tard, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ah, bonsoir patron, vous venez aussi prendre la pause stage Ouais, non, là je vais rentrer à l'hôtel, je suis fatigué de cette journée là. Vous avez bien bossé? Bah oui, je viens juste de revenir de l'hôpital là. Ah, et va encore bien merci pour... pas de nouvelles. Ah d'accord. Y a le directeur qui m'a foutu dehors parce qu'il y avait déjà un ami avec elle. D'accord, ouais, c'est bizarre. Bah c'est après un accident, il y avait déjà une plaie par rapport à un couteau, donc j'en attends d'en savoir plus. Merci. D'accord. Bon bah écoutez, bah moi je vais rentrer tranquillement, je vous fais des bisous. Mais pourquoi vous avez kidnappé un mec tout à l'heure? Je vous en pose des questions. Parce que, non, je vous demande ça parce que je me fais à des moments mettre sur le bas-côté par des mecs avec des foulards bleus. Ouais, et ils veulent quoi? Justement, ils me posent des tas de questions sur tout et n'importe quoi, et à chaque fois je réussis à m'enfuir, mais c'est de justesse quoi. Ouais,
Et vous êtes armé? Du tout, justement, je vais aller passer le PPA et tout ce qui s'ensuit. Eh ben, je vais vous la faire courte. Le mec, il me suivait. Je suis sorti de la voiture, j'ai pointé une arme, je lui ai dit de monter, on lui a mis sa race et maintenant il me suivra plus. Sympathique, tu peux faire la même? Bah, tu fais la même, c'est. T'es civil, putain. L'amendement, tu connais ou pas? Les États-Unis ouais, d'Amérique, mais... ben, voilà, ça légitime défense. Parfait, ça me va. Voilà, d'accord. Parfait, merci, patron. Allez, passe une bonne soirée. Vous de même.